En fait, ce qu'il fallait, on l'a vu hein, là, au Tour de France en 2020, il était un peu tout seul, notre ami Pogacar. Ça ne l'a pas empêché de gagner le Tour, mais toutes les circonstances ont été réunies pour qu'il puisse le gagner. Ça n'arrivera peut-être pas une deuxième fois dans ces conditions-là. Donc, il fallait absolument qu'il ramène des personnes autour de lui pour l'aider. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, Hirschi, Maika, qui arrive de Bora, Trentin. Alors, Trentin, pas forcément pour l'aider en haute montagne, mais pour les classiques, pour aller gagner des étapes, c'est un très bon coureur. Gibbons, là, de NTT aussi, peut quand même bien aider Pogacar. Et puis, ils ont gardé, eux, pareil, ils ont gardé l'ossature, hein, quand même, Ulissi, Rui Costa, De La Cruz pour Pogacar, qui a fait quand même un très gros travail en troisième semaine du Tour. Mais c'est un recrutement aussi 5 étoiles, c'est clair. On va forcément suivre Hirschi parce que déjà il a changé d'équipe. Alors il a vraiment explosé aux yeux du grand public en 2020. Nous, on le connaissait un peu de nom, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il fasse une saison pareille. Mais là, on va voir changer d'équipe comme ça. On ne sait pas dans quel terme il a quitté l'équipe Sunweb. Est-ce que ça l'a perturbé? On sait qu'il va, s'il est parti, il a sûrement eu un plus gros salaire, donc un peu plus de pression sur ses épaules. Et on a envie de voir s'il va confirmer, bien sûr. Hirschi, il a dit qu'il se focaliserait plutôt sur les classiques en 2021. Donc, on verra ça. Il a déjà gagné la Flèche Wallonne. Donc, il est capable de le refaire. Il était pas loin de gagner à Liège-Bastogne-Liège aussi. Donc, ça va être vraiment ses courses objectifs. Pogacar, lui, on sait forcément, il a gagné le Tour. Donc, il va rester focalisé sur le classement général des grands tours et du Tour de France. Puis après, ils ont quand même des coureurs, même pour les classiques. Hein, quand vous avez des Formolo, Ulissi, Trentin, Christophe, Hirschi pour leur équipe de classiques. Ça tient quand même sacrément la route, hein. Donc, eux, on va les voir, à mon avis, partout et sur toutes les courses aussi, et pour un bon moment.